Waouh, j'ai failli béton. Ma caméra elle a failli tomber. Ferme la porte, je vais te défoncer. Bien encore la mif, j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien, vos cousins, vos amis, tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez pu voir que j'étais il y a quelques jours à Londres. Eh, c'était trop bien. Et bien sûr, je me suis dit, tu sais quoi, filme quand tu pars à Londres, c'était un mini voyage. Comme ça après tu pourras montrer à tes abonnés. Regardez tout de suite, vous allez comprendre pourquoi je suis parti à Londres. Bien encore la mif, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, comme vous pouvez voir ma tête, je suis KO, défoncé. Ah ouais, laisse tomber. Ouais, ouais, il est 6h du mat. Je suis actuellement à la gare du Nord. Ça y est, j'ai fugué en fait. Personne n'est au courant, mais je me taille. Je rigole, t'inquiète. En fait, j'ai été invité à Londres à l'occasion de la sortie d'un jeu vidéo que vous allez découvrir juste après. J'ai passé la journée à Londres pépère au calme. Hi, alors je viens juste d'arriver in London. Comment tu t'as compris la phrase? Avec Delia. On est défoncé. Alors, hey, top chrono, on a 5 heures pour aller au point de rendez-vous, tester le jeu. De toute façon, vous allez découvrir au fil de ce mini-vlog de quel jeu il s'agit. On se tient au courant. Je cherche où est-ce qu'il y a un peu de lumière. Bon, bah, je vais vous le dire, hein, j'ai été invité en fait à Londres pour tester le nouveau Call of Duty. Apparemment, c'est une dinguerie. Hey les gars, regardez, j'ai une loge. Que pour moi. Ah là là. Ponceau Call of Duty. Ah, c'est pas des lol. Ça tue, hein. Ah, elle mange déjà. Ah, elle perd pas de temps. Are you ready? Yes, for the play. I'm going to play now, right now. Yes, right now, right now. Follow good me, to follow you. Everything okay? I don't hear you, sorry. Not the problem. Alors, champion? Ah non, mais ça, faut pas filmer ça. Ça, c'est censuré. Coupe, coupe, coupe la caméra, coupe. Putain, on voit rien. 3, 2, 1, c'est parti. Team Deathmatch. Grid on mercenary assets. Ah, j'ai trop de seum. Ok, donc là je saigne. Là je saigne. Je sais... Oh, le gamin il m'a tué. Ok, d'accord. Warning, retourne tout combat. Ok, d'accord. Oh oui. Je me suis asphyxié ou je sais pas ce qui s'est passé. Eh, ils sont trop chauds. Par où il est sorti, mais c'est une gueule. Hey, pass game. Franchement, c'est la honte, j'ai vraiment tué personne. Jure, je l'ai pas tué. Eh, hey, ils ont fait un vrai truc, événement du turfu. Par contre, je vous explique, j'étais le seul youtubeur humour, on va dire. Tous les autres, c'était des gamers. Ça veut dire, j'étais claqué. Ils étaient trop chauds pour moi. En fait, vous avez vu quand vous rentrez dans l'espèce de pièce noire là. En fait, c'est noir total, c'est l'obscurité, tu vois rien. Et en fait, t'es filmé et tout, et t'es là, t'es en train de jouer. Mais je suis claqué, c'était la défaite. Pour ceux qui sont pas au courant, eh, hey, le jeu il est déjà sorti. Moi, je fais que geeker, je suis comme as. En plus, les trois nouveaux modes là, Blackout, c'est genre comme Battle Royale, multijoueur et zombie. Franchement, il vaut le coup. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet là. Là, on va rentrer dans la vidéo. Juste avant, grosse dédicace à Malak Doran, à Julien Filiatro du Canada. Allez, il y a Canada, El Shenawi Mira d'Urgada en Egypte, masse. Et pour finir, Salim Mouka de Montpellier. Merci les gens. Hey les gars, déjà elle lui faut le dernier téléphone. Non mais si elle a pas le dernier téléphone, ça y est, t'es foutu. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est en train de... Tout seul, les portables, dis quoi? Vraiment, Didik? Je suis changé. Je sais pas, on a des téléphones, enfin c'est la base quoi. C'est la jeunesse. La jeunesse. Ils ont des téléphones. Le top. Moi ils m'ont acheté un briquet. Ah, le briquet. J'ai même pas plus. Ça, je peux rien faire dessus. C'est important ça, c'est important. Commence pas, à chaque fois t'achètes des téléphones. Soit tu les casses, on t'appelle, tu réponds pas. Voilà. Mais maman, hé, tu sais quoi? Surprise. Voilà. Bah c'est gentil. Bah fallait pas. Maman, profite. Juste, serre-toi-en comme tu veux. Je me demande pas, ne me pose pas trop de questions. Non, mais je prends 10 fois, je vais percer. Merci. Donc tu vas, t'achètes le téléphone, hein, haute qualité, dernier cri, tu lui ramènes, et voilà. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est cordat. Mais le plus relou, c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Vas-y, yeah, devine. Vas-y, dis, devine. Eh, comment je déverrouille, moi? Oh, la téléphone pourri. Marche pas, le diable est contreface, on sait pas. iPhone. Là, j'ai pris le téléphone, là, l'iPhone pour ma mère. Ouais. J'espère juste qu'elle va pas m'appeler toutes les 2 minutes pour savoir comment on prend une photo, comme un appel. Comme par hasard. Allô? Alors comment je fais pour déverrouiller le téléphone? C'est facile, je t'ai montré. Tu prends ton pouce, tu mets des trucs digital, tu prends ton pouce, tu le mets. Et droit? Oui, pouce droit, pouce droit. Ah, c'est vrai, ça déverrouille, voilà. T'as voulu un téléphone, frère? Je sais même pas c'est quoi ça, droite et ça gauche. Ouais, ça a abusé, frère. Je voulais prendre une photo, j'arrive pas à prendre une photo. Comment on fait pour prendre une photo? Je comprends pas, moi.
Oh. Allô. Oui, cholestérol. Comment je fais pour prendre les photos? J'arrive pas. Tu vas dans la photo, tu vas à l'appareil photo, tu cliques. Attends, je cherche l'appareil photo. Oui, à l'appareil photo. Et après, t'appuies sur le rond là. Je clique et j'appuie sur le rond. Et tu prends la photo. Raka. Ah, c'est quoi ça, photo? Ouais. Aucun effort. Dinguerie ça. Ouais, non mais ça se voit. Attends, ça se voit, ça se voit. Oh. Allô. Ouais, comment faire vidéo? Je vais te casser l'iPhone. Mais maman, je t'ai expliqué, c'est le même principe. Tiens, 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 tiens. Ah oui, Seigneur. Oui, papa. Oui, toi. Je lui prends un snap aussi. Oh, ta mère va faire un snap. Attends, t'abuses. Oh, il a compris. Snap vidéo. C'est la bringue, elle. Elle veut pas raconter un style sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ah, attends, on va où là? Je lui déteste, je déteste tout le monde. Ah ouais, mais t'es jamais tranquille, hein, donc tu lui achètes. Et en plus, après, tu dois lui expliquer le fonctionnement du téléphone. Ah, ça rend ouf. Ah oui, parce que nous, là-bas, c'est la nouvelle technologie, on est né avec ça et tout. Du coup, on apprend tout seul, on connaît un petit peu. Mais nos parents, c'est mort. Tu dois tout le montrer. Pour ce qui se passe juste après, j'ai rien à dire. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué, gars, j'en ai marre. Tu viens quand tu veux. Ah, merci. Chez moi, si chez toi, si chez nous. Je vais appuyer sur la chaussée. Snapchat, c'est bon. Chalak, mon ami. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'as snap? Pourquoi tu te snap? Pourquoi tu me snap? Ne me snap pas, ça va pas ou quoi? Tu te tais. Je suis pas d'accord avec toi. Arrête de me taper. Je te tape. Je te tape. Tu crois que t'es qui là? Tu parles à moi mal comme ça? Je te massacre, Naya. Promège. Il est malade, Ed. Attends, je te vis désolé. Fais-moi la pub. Quoi? Fais-moi la pub. Quelle est la pub? Je me tape depuis tout à l'heure. Tu veux que je te fasse? Tu fais la pub, tu t'attends. Moi, je te fais pas de pub. Je suis t'attends. Non, y'a pas de temps. Ouais, tu reviens pas chez moi. Chez moi, c'est pas chez toi. T'es gonlasse. Même pas fait de la pub, il donne de la force. La gênance. Oh merde, sur Snapchat. Alors ce qui va se passer juste après, si un jour ça arrive, je sais pas. Un bel fantôme. Je vais envoyer à ma copine. Tu fais quoi? Qu'est-ce là? Qu'il y a? Il y a un problème? Oui, c'est je rentre ça. Oui. Je fais la pause bat ici. Hé, je fais la pause bat, c'est pas ton problème. Gagne en face de moi comme un paparazzi. Va là-bas, dégage. Wow, non, t'as changé hein. Surveille vraiment les groupes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Viens, tu vas prendre en photo, viens. Pourquoi? Viens, je prends en photo. Mais Delige, tu me fais pas? Viens. Continue, je veux pas te prendre en photo, tu vas rien capter. Prends-moi une belle photo. Avec ma paire de baskets, j'ai acheté un peu de baskets. Stop. Hey, allez, vas-y. Avant qu'on recolle la salle de vie. Non, faites quoi là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas montrer ma paire de baskets? T'as des quoi? Tu crois t'es mal? Passe-moi le téléphone, passe-moi, je vais demander à quelqu'un d'autre, je vais pas refaire dans la. Fais à Christina, je suis jamais le même. Dégage! Qu'est-ce qu'il y a? Fais quoi? Calme-toi! Ah, c'est choquant. Alors, ça, c'est un jour ça arrivait? Alors, je vous le dis, fin du monde, fin du game, on est tous dead. Vidéo sur YouTube, pas qu'elle me voit l'autre, sinon elle va péter un câble. Hey, ça va? Ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais lancer. Ah, ça y est, je suis percé game. Viens, ma copine avec moi. Viens, on va filmer. T'es sûr? Viens, toi, timide. T'inquiète, personne va buzzer. Moi, je buzz. Bonsoir. Alors, on va vous parler de les achats que j'ai fait. Voilà, je suis parti au marché. J'ai pris la banane de Abdelkader. Ah, ah, il est pourri, mais. Il m'a arnaqué. La dernière placement de produit M&M's. Voilà. On a percé beaucoup de placement de produit. Une orange de chez Kamel, c'est un égyptien. Ah, il arnaque les gens. Tu t'abonnes à la chaîne? Abonnez-vous à la chaîne, swipe up. Mais j'ai swipe up. Avec swipe up. Juste mets un like, ok? Écoute, je comprends pas trop l'arabe, mais. Oh, elle m'a saoulé, elle me faire perdre des abonnés, dégage. Donc voilà, vous avez. Quoi, c'est qui elle? Me dis pas, t'es en train de faire des vidéos sur YouTube? Ouais, je fais des vidéos YouTube, il est ton problème. Oh, comment tu t'affiches? Les jaloux, cholestérol, les jaloux. T'as peur que je te perce? Je veux pas que tu perces. Ouais, je perce le game, moi, je perce. Vas-y, fais ce que tu veux, vas-y. Lance-toi. T'es même la télé-réalité. On est mort, cherche pas, c'est la concu ma gueule. Bon, nous les jeunes, on a nos applications qu'on utilise tout le temps, genre Insta, Snapchat, etc. Mais nos parents aussi, ils ont des applications qu'ils utilisent tout le temps. Genre pour eux, c'est des réseaux sociaux. C'est WhatsApp, ça? Ah ouais, c'est WhatsApp. Ouais. Hey, toi là, ça va? Whitey, toi. Elle est en train d'enregistrer. Ça va et toi? Ça va, tu fais quoi? Hé, réponds. Et toi? Et toi? Il est bête ou quoi? Je t'ai déjà dit et toi. Toi, tu réponds encore et toi? T'es con? Je parle pas avec toi. Change de contact. Oh, je suis bête, Eddie. Oh, je peux pas traîner avec les gens comme ça. Voilà, bête, vraiment bête. Regarde, on envoie une autre vidéo sur WhatsApp. Regarde. Ouais, d'accord. Il me tue. Ouais. Miaou! Mamie Kao! Rigole! Fais au moins semblant! Pourquoi je suis pas marotte? Dégage, tu restes pas à côté de moi, vas-y, casse-toi! Vraiment, WhatsApp Viber, c'est ma vie, je vais envoyer un message vocal à l'autre bête là. Oh, elle lâche des vues! Tu vas lâcher une vue, je t'ai boxé! Ma mère avec WhatsApp et Viber, mais c'est une dinguerie, laisse tomber les messages vocaux, les vidéos, ah, oh, ils arrêtent pas toute la journée! Récemment, ma mère, elle a appris à se déplacer aussi avec internet. Eh ouais, ça y est, on est dans un autre game! Petit Polo Gabbana. Hey. Là, quand elle travaille dans le clip, hein. La percée, hein. Ouais. Ah, la percée, hein. Ouais. Eh oui, c'est mon fils. Ouais, bah, c'est ton frère. Ouais, bah voilà. Eh, hey, t'es pas bête, toi. Non, tu te fous pas de ma gueule, par contre. Je te boxe sinon. Hey, délit GPS. Mets-moi le GPS, là.
Est-ce que même déjà tu sais utiliser un GPS? Bien sûr, tu crois que je suis bête? Jamais. Ah, je t'ai dit, mais allez, vas-y, mets l'adresse. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tournez à gauche sur avenue. Alors, elle a dit, je tourne par où? À gauche. Tu vas où? C'est pas par là. Hé, hey, c'est ma copine, je sais qu'est-ce qu'elle dit, je suis pas con quand même. Dans 100 mètres, tournez à droite sur rue Louis Bonnet. À droite. Non, elle a pas dit à droite. À droite. Hé, à droite par là. Confonce à droite et sa gauche. Elle a dit à droite. Hé, hey, je vais tout droit moi. C'est bon? Ah, elle est stressée, elle est fatiguée un peu. Ah, non, ah, je te dis, je la connais elle. Tu connais un GPS? Ah ouais. Matabelnish. Ah ouais. Matabelnish, tu me rends pas fou. Hein. Elle a dit à droite, mais tu vas à gauche. On tourne en rond là. Tu dis ça. Dis ça, je veux pas te voir ici. Reste-toi. Allez, dégage. Dégage. Toi aussi t'es con, t'es là, tu dis à droite, à gauche, faut savoir un moment. Ma mère elle met le GPS mais elle le suit pas. Ah ouais, non, c'est un concept. Donc voilà, amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu certaines scènes avec vos parents, ou si vos parents aussi font des trucs comme ça. En tout cas, ça me tue, on va pas se mentir, nos parents ils connaissent pas la nouvelle technologie. Enfin, ils s'adaptent hein, bien sûr, mais c'est plus nous, genre on est calés, etc. Et nos futurs enfants ils sont pareils, hein, je vous le dis. Dites-moi aussi en commentaire, c'est quoi l'application que vous utilisez le plus? Moi personnellement, Instagram, YouTube, la base. Snapchat un peu moins, mais si quand même. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, mettez un pouce bleu, je compte sur vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao.